Hey, bonjour à tous et bienvenue sur du Fizz Turtle. Voilà, c'est juste que ça fait légèrement 2 mois et demi que je n'ai pas tourné sur FTT puisque j'avais un petit peu marre de tous ces mods, mais suite à qu'il a crashé, ok. Ok, bon bah bonjour, au revoir. Je reviens! Hey, re tout le monde, et excusez-moi, bon bah le serveur était bien down, voire crash, hein, donc c'est normal. Et je me retrouve chez moi. Je suis en quoi déjà moi? Ah oui, je suis en sauve-souris, oui, bien sûr. Bon, alors, j'ai mis le BDcraft, pourquoi? Parce que l'herbe je la vois plus facilement. Déjà ça, je trouve ça un petit peu plus beau, l'eau je la vois bien, ce genre de choses. C'est éclairé de partout, voire trop, parce que c'est comme ça je vois pas les zones d'ombre. Voilà. Ah bah c'est tellement mieux maintenant. Comme ça je peux voir un petit peu partout. Alors, j'ai changé d'endroit pour deux raisons. Déjà la première, puisque je n'aime plus trop mon coin là, du fait que je débute, donc je le ferai plus tard, quand j'aurai plus de matériaux ici. Je me suis réinstallé dans cette zone pour... C'est quoi ces mobs? Ils sont où ces mobs? Allô, oui? Bon bah pas grave. Je me suis installé dans le coin pour justement voilà, parce que j'aimais plus facilement ce coin-là. J'ai été miné un petit coup, vraiment très peu, hein, j'ai pas vraiment fait beaucoup plus de choses. Ça fait juste 2 mois et demi que je n'ai pas tourné, ça fait un peu long. Par rapport à tous les autres qui sont déjà largement au-dessus de moi. Voilà, ce genre de choses, hein, vous voyez, donc voilà, pouf, pouf, je vais éclairer un petit peu plus les endroits, leur. Alors, peut-être que ça frise un peu, puisque j'ai mis mon deuxième écran, et ça pourrait être en sorte que ça frise. Du coup, Power 2, machin. Oh, ça pourrait être pas mal tout ça. Alors, j'ai des patates qui sont déjà cuites, des enderperles. Ok, j'ai déjà mes. Oui, bah oui, c'est normal, j'avais fait ça. Ingenious Extruder pour de la cobble. Peut-être essayer d'ailleurs en refaire. Je sais pas, comme j'ai de la lave en plus ici, donc je pense que je vais me refaire mon générateur à cobble, je vais me faire comment? Je vais me faire un coffre pour mettre au-dessus. Là. Tuc, tuc. Là, ici. Alors, ici je vais mettre tac, la sortie c'est là où je bouge tous les côtés. Je prends un saut. Faire le saut de là-haut. Ouf. Ouais, quoique j'aurais pu laisser la source parce qu'elle était belle la source, donc pouf, je vais laisser la source là. Je vais aller chercher une petite source d'eau là-bas. Non mais. Voilà, une source d'eau ici. Je mange ça parce que c'est bon. Hop. Mon petit seau d'eau ici, là-dedans, voilà, le seau de lave. Et voilà, il crée de la cobble en illimité. Voilà, j'ai de la cobble. Est-ce que j'ai le cru... Oups. Crucible. What? Ah non, j'allais me dire. Donc il s'est mis en cheat, lui. Ouais, cheat mode. C'est juste en recipe que je veux. Voilà. Alors, cruci... Je sais pas si j'ai... Ah non, j'ai toujours... J'ai le magma crucible, ok. J'ai pas comme celui dans Ariane Sky, le crucible qui me permet de créer de la lave avec comment? Avec de la cobble. Ok. Bon, bah ça c'est cool, ça me fait de la cobble en illimité. La lune est là-haut. Je peux me remettre en être humain moi, parce que je suis plus beau en être humain. Bon, alors qu'est-ce qu'on a prévu aujourd'hui? Aujourd'hui, je n'en sais rien. J'en sais rien du tout, c'est comme je l'ai dit, ça fait plusieurs fois que je le dis, mais
Je viens seulement de revenir, donc il faut que je me réhabitue un petit peu à ce qu'on fait ici. Et je ne sais pas où est-ce que je vais m'installer en fait. Je me suis installé ici parce que je vais peut-être construire une baraque, quelque chose de beau, de swag et autres, avec des souterrains un peu partout, ou me creuser complètement dans la montagne en mode YOLO et j'en ai rien à foutre. Non, c'est pas le 5. M non plus. L non plus. K non plus. M non plus. Ça non plus. Comment on affiche la map? K non plus. L. Contrôle. L menu. Waypoint. Ok. Retourne. Non plus. Bon, bah c'est pas grave. Je verrai ça en temps et en heure plus tard. Soit des araignées. Eh ben non. Ah, ils doivent être en dessous les araignées. Bon, ok. Alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Déjà, oh putain, ça c'est full. Ça c'est full, c'est full. La bonne, des bocs, des pistons, des rails. Bloc de style. Bon, alors le premier, ça va être de créer un peu de d'énergie. Alors, je vais sans doute faire de l'énergie avec du bois. Donc, soit je fais l'énergie du bois avec comment c'est le mode Raycraft, je crois. Je crois que c'est Raycraft, hein. Je ne suis plus du tout sûr. C'est lamentable. C'est complètement lamentable. Ça doit être ça, hein. Ça, c'est les cartes, ouais. Non, c'est pas Raycraft. Ah, je ne sais plus ce que c'est. Raycraft, ça me sert à faire du boiler, le boiler de l'énergie, de la vapeur, ce genre de choses. Mais je m'en rappelle plus ce que c'est. Des rails, oui, je vais devoir en faire plus tard. Hein. Tinker Construct, non, les modes. Applied Energy Stick, nope, pas pour l'instant. Bibliocraft non plus. Bullcraft non. Ça c'est clair. Extra utility pour l'énergie. Ah bah merde! C'est quoi le mode? Ah je ne sais plus le mode. Le mode qui permet avec un kart de ramasser du bois. Steve Kart, ah bah voilà. C'est ce fameux mode qui permet justement de. Qui est super bien d'ailleurs. Steve Kart. Voilà! Le mode qui me permet justement avec des rails de faire planter des arbres et les arbres ça fait boum 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 de l'énergie. Alors, soit je fais Steve Kart complètement, ça veut dire je rase une petite vallée, je mets que du bois et ta 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 ça pousse, ça coupe. En même temps, ça m'utilise du charbon, de l'énergie. Ou sinon, avec les furnaces générateurs, ce genre de choses, plus les générateurs que j'ai là, je crois. Non, pas là, ici. Survival. Là, c'est 500 000, là, c'est 100 000, mais c'est différent, c'est du. Je ne sais même pas ce que c'est d'ailleurs. Comme énergie. Bon, c'est pas grave. Sinon, j'ai autre chose, peut-être. Bon, alors, sinon, soit Steve Kart. Mais bon, ça veut dire que c'est de l'iron ingot. Bon, c'est pas très cher de se faire ce module-là. Le standard-là. Ce qui va être plus long, c'est ce qu'il y a sur les côtés et ainsi de suite. Mais sinon, ça sera en mode. Et puis je ne sais plus le mode, hein, même si je l'utilise encore. J'ai plus le mode. Ah, qu'est-ce que ça peut m'énerver quand je connais plus du tout les modes. Bah, c'est très la redécouverte des modes. Faut que je me prépare parce que pour Fitzpatrick, il y aura du mode. Hein, j'aurai un petit peu plus de facilité à faire les ingrédients parce qu'il n'y aura pas Greg Tech en mode super hardcore. Mais je vais en chier pour refaire les modes.
Et ça. Non, c'est quoi le mode? C'est pas plaid énergétique, c'est Mine Factory Reloaded. D'accord, il était même désactivé le mode. Ok, normal. Alors, pour ça, il me faut un harvester. Il me faut des chiens. Ok. Ouais. Me faut déchirer, je vais te déchirer le cul. Faut des plastiques chips. Ah non, putain, t'es pas sérieux, il faut ça dans ça. Ouais, bah, vous savez quoi, je vais plutôt utiliser le mode Steve Cart, hein. Voilà, Steve Cart. Boum, hop, rien à foutre. Donc, il me faut. Alors pour cela, il me faut. C'est très la redécouverte de mode, hein. Je l'ai déjà dit, je le redis. 1, 2, 3, 4, 5, normal. 6, 7. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, plus 8. Ça doit être ça, hein. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Voilà. Voilà. Standard rule. Standard rule. Voilà. Bon. Ensuite. Il me faut le carte assembleur. Qui est déjà un petit peu plus chiant. Redstone. Alors, 4 redstone, 4 fer, 1 or. Ok. Ça, pour ça, c'est pas vraiment la mort assurée non plus. Tac, tac. 8 et 8. 8, voilà. Non, ça doit être là. Hop, ici, ici. Voilà. Ensuite, pour cela, il me faut 3 fer et 3 stone. Alors, par contre, la table de craft là, je vais la péter. Cette table de craft, je l'aime bien, mais je préfère celle de Tinker Construct parce qu'elle permet de justement de garder les items dedans. Et c'est nettement mieux. Et en plus, il y a un coffre juste à côté, donc elle le prend dedans, et ça, c'est super génial. Ah, par contre, il le prend pas. Ok. Ce n'est pas grave du tout. Du tout, du tout, du tout. 3 fer. Et il me faut de la stone. Et pour faire de la stone, c'est dans un four, c'est 8 cobbles. Ah bah, hop. Bah, je prends le 8 cobbles, non, mais disons pour que ça soit économique, je mets 8 cobbles dans le four pour qu'il me fasse directement la stone. Parce que je veux de la stone, mais c'est pas obligé, hein. C'est juste un côté. Comment? Pour que ça soit écologique, voilà. Pas écologique non plus, mais bon, vous avez compris. Hein? Faites pas chier! Voilà. Faites l'émeraude, utilise une fortune, t'as plus de chances d'en avoir. Ah là là. Deux, normalement ça doit être ça. Ah non, il m'en faut encore. Hein. Voilà. Carte assembleur! Wouh! Voilà, pouf! Bonjour! Carte assembleur. Carte à assembler, 5 secondes. Mais il me faut d'autres machines dessus. Alors. Non, je vais rester en être humain, comme ça quand le jour va se coucher, qui va pas tarder d'ailleurs en parlant de ça. Bah, je vais pouvoir dormir pour éviter d'avoir des mobs. Voilà. Bon, alors. Il y a deux sortes de moteurs possibles. Il y a le moteur solaire. Mais le solaire, c'est bien beau au début. Mais. Une fois que les arbres vont pousser, il ne va plus du tout tourner. Donc, pour cela, il va falloir faire autre chose. C'est pour ça qu'on va faire des moteurs à charbon. Pas la version créative. Bah, ça ne fonctionne pas la version créative. Tant qu'on n'est pas OP, ça ne fonctionne pas. Il y a celui-là. Celui-là, il est pas mal. Voilà, il est pas mal. Sauf que Thermal Engine, je ne sais pas. Pas quoi comment ça marche. Je crois que c'est de la lave en fait.
Ah, et puis ça, c'est cher. C'est vachement cher. C'est du diamant et de l'obsidienne à gogo, en fait. Donc, il y a le compact, mais bon, c'est du solaire, donc je ne veux pas du solaire. Je veux le Palutena, mais la version au-dessus. Il n'y a pas la version au-dessus. Coalengine, voilà. C'est un four, deux pistons et cinq fers. Jusque-là, je crois que c'est assez simple. 5 fers. Alors, j'ai déjà un piston, donc je rajoute un piston, je rajoute ceci. Je rajoute 3 bois, 4 cobbles. Et un four, donc ça fait 8, on va faire 13. Hop, on fait un four, on fait les 4 cobbles là, on rajoute ceci au milieu là. J'ai oublié de faire la transformation. Là, ici, ici. Le four au milieu et 5 fers dessus. Voilà. Que je rajoute. Voilà. Donc là, ça fait déjà plus qu'une minute quarantaine. Maintenant, vu qu'il y a un four au cul maintenant, je sais qu'on pouvait cliquer pour avoir l'animation, mais je ne sais plus comment. Il vous faut comment l'outil qui permettra justement de couper le bois. Alors pour couper le bois, c'est un cutter, je crois. Ouais, un basic wood cutter. Vous avez le basic, vous avez l'avancé, vous avez l'ultimate. Pour faire l'ultimate, il faut un bloc de diams, des oeufs complètement what the fuck cheaté. Gogo, quoi, voyez-vous, faut de la lodestone, ce genre de choses, donc Nope, on va faire le basique. Nope, on va faire le basique. On va pas chercher à faire plus loin, voir plus de choses, parce que c'est vachement cher, j'ai pas les ressources encore, j'ai pas appelé pour faire les crafts. C'est surtout, en fait, j'ai pas appelé pour faire les crafts. Donc, Et pour recharger ça, il faut justement les matériaux là. Hein. Ou celle-là, je ne sais plus. Donc pour ça, je vais faire que le basique. Reforged metal. Oui, le basique, voilà. Alors, le basique, c'est ça, ok, c'est ça, ok, c'est ça, ok. En fait, il faut du fer. Et du fer, j'en ai peut-être plus beaucoup d'ailleurs. C'est bien que, en fait, tous les crafts, il faut du fer, du fer, du fer, du fer partout, en fait. Et je n'ai pas forcément du fer. J'ai quasiment plus de fer. C'est bien, je fais un épisode, mais j'ai plus de fer. Donc, voilà quoi. Alors, faut 8. Il en faut 8 aussi. Et il faut 2 or. Ça va, c'est des. Ah, bah si, j'ai du fer. Ah, bah c'est bon, je suis refait, c'est bon. Hop, je suis content. 4. Alors, c'est là. 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 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. 1, 2. Voilà, ça c'est bon. Maintenant, pour faire la version avancée, c'est-à-dire celui-là, c'est 3 fer, 4 redstone. Bon, bah c'est génial. Oh. Je crois que pour enlever ce genre de choses, il faut... comment? Pour les mettre en lingots, soit on les fait repasser là-dedans, donc on fait couler du fer, soit il faut les faire macérer, ou un alchemator. Ouais, il faut de l'énergie, quoi. Un redstone furnace. Oh, ben c'est... Oh! Le mec redécouvre les fonctionnalités de Minecraft. Un redstone furnace et j'ai le coco là, donc c'est bon. Donc, je vais te le foutre derrière. Ça, t'as de l'énergie. Pouf, 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 pouf. Hop, je ferme ça. Voilà. Ouais, je suis super content. J'ai du fer. Oh, je suis content, je suis content. Je suis content. Ouais. Sinon, ça va? Voilà. Hop. Alors, par la suite,
L'épisode, vous allez sans doute l'avoir vu, mais moi je le dis dans plutôt dans la voix, c'est que c'est... Apprenons à utiliser Steve Cart. C'est dans les anciens FTT, je crois que je l'avais pas fait. J'aime pas les œufs. Hop, te balance l'œuf dans la gueule. Je suis dissident. Cobblestone, machin, ok. Alors, pour faire ensuite ceci, c'est des rubers, des saplings plutôt. C'est des saplings autour de ça, donc il m'en faut 8. C'est comme un four. Tu mets ça au milieu, ça fait un wood machin. Maintenant, il faut les petites branches en diamant. Je crois que c'est du diamant. Hein. Alors, ça va faire au milieu. Il en faut 5. Donc, ça veut dire 5 diamants. Ça va, du diamant, j'ai ce qu'il faut. Il faut 10 fer. Eh ben, c'est bon, j'ai tout en fait. 5 diamants. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Que tu mets autour. Un fer au milieu. Et le wood là. Pouf! Ça fait le basique. Qu'on met là. Voilà. Voilà. L'animation, ça permet de couper. Alors maintenant, on a le tool. Mais par-dessus, on peut mettre des attachements, des storage. Il faut évidemment des stockages pour pouvoir permettre justement qu'on puisse en mettre dedans. Et des add-ons si, pourquoi pas, vous en mettez. Bien sûr, tout ça a un coût supplémentaire, naturellement. Mais également, c'est que le coût va nous permettre de, plus ou moins de faire ce genre de choses. Alors... je crois que je vais... Oh, me dis pas que c'est chiant. Ah non, ça va, c'est pas si chiant que ça, en fait, à faire. Ah, oh, c'est plutôt sympa. Ça permet de justement de décharger les items. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut d'autre? Parce que je ne m'en rappelle absolument plus du tout du cart. Hein. Des pigments, ouais... Faut de la lowstone quoi. Je crois que je suis pas allé encore dans le Nether. J'ai de l'eau? Ah oui, j'ai de l'eau. Ouais, mais je vais pas me faire chier à faire des coloris pour le machin en fait. Donc, Alors, on va faire ceci. Alors, c'est des bûches et puis des planches. Des bûches et des planches. Alors, j'ai que du rubber. Je vais éviter d'utiliser que du rubber. Ça me ferait chier d'utiliser que du rubber. Ouais, en même temps, j'ai des sablines, hein, je peux couper. Hein. Je vais prendre ça, je vais prendre la bonne mine. Hein. On va faire un mode ancienne. Voilà. On va faire à la mode ancienne. Ok. Putain, t'as mis du temps à... à monter, et puis là, ok, c'est une smite, ok, j'avais complètement oublié que j'avais enchanté une hache avec smite. Bon, smite c'est quand même bien, c'est pour les zombies et squelettes, hein. Mais bon, c'est... Voilà, comme ça j'ai du bois un petit peu à l'avance. Window sitting fast, fancy, ça c'est plus beau. Je vais prendre celui-là. Pourquoi il est brun lui? C'était pas un blanc à la base? Bon, bon. C'est pas très grave. Ça je vais le garder là. Alors, c'est du genre ceci et du genre cela. Voilà. Je vais en faire plusieurs, tiens, en parlant de ça. Voilà. Hop, 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 hop et hop. Voilà, doublement 64. Ensuite, il faut le rangement. Alors, par contre, je ne sais pas à quoi ça sert. Beach, beach, beach. Ok. Beach en... Alors, front chest, non. Internal storage, oui. C'est de la stone et un fer. Ok. J'ai déjà ça. J'ai de la stone. Et j'ai un fer. Que je prends ça comme ça, que je l'entoure,
et ça fait un internal. Pouf. Voilà, ce genre de choses rajoute 5 minutes de plus. Alors, je vais voir si je peux en faire deux. De toute façon, même si j'en fais un de plus et que ça ne rentre pas dedans, ça me servira justement par la suite. Ah, si on peut, hein. Hein? Ah bah c'est cool. Hop. Hop. On va en faire plusieurs. Voilà. Ça va faire une demi-heure de craft, hein. Mais bon, ça je m'en fous un peu. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous faudrait d'autre? Je ne sais pas quoi ça sert, smelter. Puis c'est de la glowstone. Ah, oh, il faut le compresser. Ah, oh, j'avais complètement oublié. Torche placeur. Oh, on peut placer des torches. Oh. Ah, c'est pas mal. Alors, pourquoi je dis que c'est pas mal? Principalement, c'est surtout pour comment par la suite. Ah oui, c'est des arbres spéciaux en plus, d'accord. Ça permet justement de torcher une zone sans que vous vous fassiez à sa place. Donc en même temps, c'est pratique, mais en même temps, c'est un peu chiant. On va tout prendre. Vu que les planches n'en donnent que deux maintenant. Hop, hop. 1, 2. 1, 2. Voilà. Je crois que ça, c'est un add-on. Ouais, c'est attachement. Alors, ceci rajoute une minute de craft. Donc, wow, c'est stylé. Par la suite, qu'est-ce qu'on pourrait mettre dessus? Ça, je sais que c'est un peu long, je crois. Hein. Ne vous inquiétez pas, moi je reprends un petit peu mon envie en fait. Mon envie de jouer. Ah oui, c'est un peu cher en fait, j'attendrai. Upgrade. Creative. Redstone control. Ok. Carte crâne. Ok. Si tu veux. Carte modifier. Ah. Permet justement de modifier. Like to you, des modifie carte. Ah, ça permet de modifier ton carte. Ah oui, mais c'est un peu cher, c'est toujours ça. D'accord. Bon, bah, ça attendra en fait. Je pense que je n'ai plus rien à rajouter. Je pense que j'ai plus rien à rajouter. Divine Shield, non. Je ne sais pas quoi d'autre ajouter, donc je pense que. Voilà. C'est tout nous. Ça fait bizarre de reprendre FTT, hein. Ça fait longtemps que je n'ai pas tourné dessus, donc veuillez m'en excuser d'avance, hein. Ah, et puis, j'espère que ça va me remettre dans le bain. De toute façon, je vais continuer. Je vais un petit peu farmer tout ça. Je vais retourner avec les autres. Creative Incinerator. Ok. Je connais plus du tout, hein, donc. Faudrait que je retrouve un petit peu les anciens modes que je faisais. Ouais, de toute façon, là, je crois que c'est vraiment fini, en fait. Je vais me faire principalement... comment je vais me faire? Je vais me faire un chunk loader. Donc, c'est ça. 4 opsi pour la table d'enchant. 2 diamants. 1 livre. Voilà, un livre. 5 autour et je crois que c'est de l'underperle qu'il faut. Ouais, c'est de l'underperle. Donc on va le faire ensemble et puis je vais vous laisser là. Ah oui, d'accord. C'est juste ça. Ok, table d'enchant. Gold autour, underperle, chunk loader. Et je vais le mettre là. Pour l'instant, ça sert à rien que je cherche trop en fait. Donc je vais le réduire complètement. Voilà. Je vais charger juste ça, cette zone là. Ça me suffit amplement. Et c'est principalement pour lui en fait. J'ai le moteur, j'ai le cutter, j'ai les torches pour pouvoir placer.
Mais j'ai les storage. Et en add-on, je ne pense pas que je vais mettre d'autres choses parce que ça sert à absolument rien actuellement. Plus tard, si je mettais par exemple un autre. D'autres choses, incinérateur. Incinéré. Ça pourrait être quelque chose finalement, hein. Incinérateur. Je sais pas du tout à quoi ça sert, incinérateur. Je ne sais pas si je vais le faire. Je pense que si, je vais quand même m'amuser à m'amuser. Je m'amuse pas, mais. Oh, j'en sais rien. Ah, attendez, je vais le faire, ça sera plus simple. Ça va me perturber. Ah, il faut de la nether brick, c'est vrai. C'est pas de nether brick. Je n'ai pas de nether brick. J'ai de la nether wart. J'ai des pommes. Ça peut me servir comme bouffe. Temporairement. J'ai pas de nether wart. Hein. Nether wart, je suis con de la nether brick. Donc je ne sais pas si je vais en faire. Il faudrait que j'aille dans le nether du coup. Bon, alors on va faire ça. Je vais vous laisser, hein, principalement je vais vous laisser. Donc c'était épée forte pour ouah, j'ai quoi comme chapeau sur la gueule? Ouah, j'en ai rien à foutre du chapeau. Voilà, c'est plus beau comme ça. Là, voilà. Et bon, moi de mon côté, je vais faire, je vais aller dans le Nether, je vais récupérer un peu de Nether, même de la Nether rack. Je vais faire cuire, je vais faire de la Nether brick, je vais le faire là-dedans, je vais le faire fonctionner. Je vais installer tout le système avec les cartes. Hein. Je vais déblayer un petit peu tout ça, débalayer. Oui, je vais balayer toute la zone. Je vais commencer en fonctionnement, je vais faire des barrels, je vais pouvoir les stocker dedans. Voilà, ce genre de choses. Je vais essayer de réapprendre un petit peu à utiliser ce mode. Et puis, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Donc, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à me dire si ça vous plaît que je puisse reprendre dessus. Ce genre de choses, quoi. Ça me fait toujours plaisir, moi, quand il y a du monde qui me disent « Allez, continue, continue, c'est super bien ce que tu fais, ça fait super plaisir. » Non, sérieusement, ça fait plaisir quand même, parce que je m'y attendais pas du tout. Et puis voilà. Bon, bah sur ce, messieurs, voilà, messieurs, je vais vous laisser, hein, et puis je vais vous dire à une prochaine vidéo sur Feed the Turtle, l'épisode 2. Coucou, au revoir.